Merci, Seigneur. Oh là 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 là, mais quel bonheur d'être de nouveau parmi vous. Là, bon, je vais vous montrer quelque chose. C'est un petit peu nouveau, ça va un petit peu casser l'ambiance. J'aimerais vous parler du processus électoral français et de manière générale du suffrage universel. Quel est le processus donc qui a amené au pouvoir Trump, Mussolini et Hitler? Le suffrage universel. Bien, bonne ambiance. Alors, évidemment, vous vous en foutez souvent, vous n'avez pas de gouvernement, mais nous, c'est un problème, les élections arrivent. C'est pourquoi ce soir, on va tenter de reproduire les élections françaises avec vous, avec des candidats comme ça, choisis parmi vous. Alors, évidemment, hein, pour que ce soit réaliste, parmi les riches, hein, évidemment, et des candidats qui vont être choisis selon des critères éthiques d'une grande précision, hein, probité. Je ne sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Charisme ou charisme, si tu es vieux. Et enfin, corruptibilité. Bien. Et il faut évidemment un scénario écrit à l'avance. Il y a un budget de malade. Waouh. Donc, dans cette enveloppe, mesdames et messieurs, le résultat de votre libre arbitre, dans quelques instants. Le résultat de votre libre arbitre, c'est un oxymore. Oui. Ok, d'accord. Oxymore, c'est une métaphore. Waouh, il n'y a que des flamands dans la salle. Bien, alors, c'est pas grave. Grosse ambiance ce soir. Donc, on va choisir des candidats selon les critères de corruptibilité. C'est parti pour les candidats. Merci, vas-y. Allez, c'est parti. Petit. Petit candidat. Petit. Viens chercher ton pognon, petit. C'est 100 balles. Eh, hey, les Wallons, vous n'avez pas vu ça depuis longtemps. Hein. 100 euros, les gars. Avec ça, tu peux t'acheter une maison maintenant. Alors, bon, tiens, bonsoir, madame. Comment vous appelez-vous, madame? Christiane. Christiane, enchantée. J'ai 5 enveloppes. Choisis un numéro entre 1 et 5, s'il te plaît. 3. Alors, regarde, c'est simple. Regarde, il y a des petits numéros. Tiens, là, j'ai besoin de ton aide, par contre. Tu vois, il y a le numéro 5. Numéro 4, évidemment. Hein. Numéro 1, rien à voir. je te montre les numéros. Et donc, on va chercher la 3 pour Christiane. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Enveloppe numéro 3. OK? Enveloppe numéro 3, c'est clean. Tu as choisi le 3, tu as l'enveloppe numéro 3. Et je demandais, s'il te plaît, de rejoindre la scène et de prendre place au centre de cette scène. OK? Un tonnerre d'applaudissements pour Christiane, s'il vous plaît. Merci. Voilà, suis le beau gosse. Voilà. Bonsoir, Christiane. Merci, Christiane. Tiens, je ne voudrais pas qu'on puisse croire que j'ai des complices. Alors, c'est la main de Dieu qui va choisir le prochain candidat. La main de Dieu, la voici. Le plafond de la chapelle Sixtine. OK, très bien, c'est parti. Allez, hop là. Quelqu'un à la main. Bonsoir. Comment t'appelles-tu, mon poulet? Bonsoir. Bonsoir. Comment? François. François, tu as le droit. Hein. Respecte-toi, nous te respecterons. François, tu vas prendre des enveloppes. Tiens, prends-en deux, tiens. Vas-y, prends-en deux. T'en gardes une et t'en donnes une à quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas. Peu importe. Et après, tu vas monter sur scène. Apparemment, tu viens de perdre un ami. Voilà. Allez-y. Montez sur scène sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. On va prendre un dernier spectateur, deux derniers candidats. S'il vous plaît, Vincent, François, vous prenez place à droite et à gauche de Christiane en fonction de vos convictions politiques. D'accord? L'un à droite, l'autre à gauche. Vous choisissez, peu importe, l'un à droite, l'autre à gauche. OK, très bien, très bien. Donc maintenant, pour la dernier choix, il faut une main innocente. J'ai une main d'enfant, ça tombe bien. Qui m'a été offerte par François-Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, tiens, on va, hop là, c'est parti. Qui a la main d'enfant? Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous, monsieur? Comment? Kevin. Kevin. Brouille-toi, Kevin! Après, les gens, ils vont dire que je fais trop long. M'énerve. OK. Kevin, voici les deux dernières enveloppes. Il en reste deux, tu les prends les deux, t'en gardes une, t'en donnes une à ton compas. Comment vous appelez-vous, monsieur? Damiano. Damiano.
Vous prenez place, s'il vous plaît, à droite et à gauche de la ligne, un de chaque côté de cette ligne. Alors, est-ce que vous savez combien il y a 120 combinaisons possibles? C'est-à-dire que 5 x 4 x 3 x 2 x 1, combinaison. 5 x 4, 20 x 3, 60 x 2, 120 x 1, 120. Voilà, 120 combinaisons, c'est... Attendez, pardon. Là, vous venez d'applaudir une multiplication, c'est ça qui vient de se passer de... On a le public qu'on mérite. Bien, alors, tiens, mettez bien les discours devant vous. Dedans, ce sont vos discours politiques, les uns et les autres, OK? Vous avez choisi ces enveloppes au hasard. Et moi, ici, j'ai un décor politique qui est là depuis le début. Et je vais vous demander... Tiens. De flipper ta race! Mais non, c'est pour montrer qu'il n'y a plus rien dedans. Bizarre, lui. Bien, alors, OK, très bien. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de sortir... les papiers qui sont dans vos enveloppes et de les placer devant vos enveloppes. Et les garçons, s'il vous plaît. Ouais, Quindy, voilà. Oh, Quindy, regardez, il est là depuis le début. Il y a 10 ans, il était déjà là. Et il y a 10 ans, il était déjà vieux. C'était dingue. C'est dingue. Quindy, tiens. Tu as grandi, Quindy? Bien, alors... Okay. Donc ici, c'est le rose. Et regardez, c'est très étonnant parce que... Tiens, vas-y, Marty, tiens, merci. La première couleur qui est ici, c'est du rose. La deuxième possibilité, la deuxième combinaison, c'est du vert. Et la deuxième couleur, c'est du vert. Le troisième, c'est du rouge. Et évidemment, c'est du rouge. Ensuite, du bleu ciel, c'est du bleu ciel. Et enfin, le bleu marine, c'est du bleu marine. Et ça, mesdames et messieurs, c'est l'expression de notre liberté. Allons encore plus loin. Ils ne le savent pas, mais ils ont choisi un papier de la couleur exacte de leur conviction politique. Ça va, bleu marine? Vous avez pas tout à fait les mêmes couleurs. Vous savez, ça c'est l'extrême droite, ça c'est plutôt le centre droit, ça c'est l'extrême gauche. Hein. Bah, vous c'est les socialistes, nous c'est les communistes, les écologistes, et le rose c'est les socialistes pour nous, la rose, tout ça. Voilà. Et alors maintenant, on va passer au discours politique, les amis. Et ça, on va le faire selon la règle de l'équité, la règle française de la politique. Vous connaissez cette règle ou pas? L'équité, c'est-à-dire qu'en fait, tu as le droit de parler en fonction du score que tu as fait aux précédentes élections. Voilà. C'est vrai, c'est en proportion. Jusqu'à 15 jours, et les 15 derniers jours, c'est l'égalité pour les présidentielles, c'est-à-dire tous les candidats ont le droit de parler pareil. Bon, vous, vous en foutez, vous n'écoutez personne. Bien, alors, mais en français, l'équité. Donc on va commencer par notre candidat rose, le candidat du parti, un parti qui a existé, hein, pour de vrai, un parti qui a même eu deux présidents dans la 5e République. un truc de dingue, ton discours est dans ton enveloppe, vas-y, grouille-toi, Kevin. Allez, nous t'écoutons. Bonsoir. Stop, c'est la règle de l'équité. Malheureusement, tu n'as pas convaincu, Kevin. C'est une belle candidature. Bravo, hein, bravo pour votre travail. Malheureusement, vous devez retourner à votre place. Un tonnerre d'applaudissements pour Kevin, s'il vous plaît. On va passer au candidat vert, au candidat écologiste. Dedans, vous avez votre discours. Nous, comment vous appelez-vous déjà? Vincent, oui, c'est ça, Vincent. Comme celui que j'aime le moins. Allez-y, Vincent, nous vous écoutons. À vous de défendre votre point de vue sur la société. Des gens souffrent. Oui. Des gens meurent. Tu peux le faire avec plus de charisme. Okay. Et des écosystèmes s'écroulent. Ah. Bon, on continue. Ah, flash spécial. Excusez-moi, flash spécial. Pardon, Vincent. Excusez-moi, retournez-vous. Mesdames justement. Et messieurs, bonsoir. Drame à l'Aquarium de Paris. L'actuel candidat vert aurait été retrouvé entièrement nu, à genoux, en face de l'Aquarium de Paul le Poulpe. Celui-ci, actuellement entendu par la police, très choqué, serait en train de porter plainte pour tentative de viol sur céphalopode. Cher Vincent, décemment, vous ne pouvez pas continuer à briguer ce poste si important. C'est pourquoi je vous demande de vous retirer de ce plateau de télévision et de ce poulpe. Merci Vincent, vous avez été merveilleux. Un tonnerre d'applaudissements pour Vincent, s'il vous plaît. Thank you.
Christiane, Christiane, c'est à vous de présenter votre programme. Il est temps de reprendre le pouvoir à l'argent et à la finance, de le rendre au peuple. Oui. Vous, moi, dans notre... Ah, flash spécial. Flash spécial, Christiane, désolé. Place au direct. Priorité au direct. Scandale financier, l'actuel candidat rouge, accusé d'abus de biens sociaux, il aurait en effet détourné les fonds de plus de 57 associations, dont Emmaüs, les Restos du Cœur et les Diabétiques du Nord. Interrogé sur le sujet, il aurait déclaré « La République, c'est moi, chacun sa merde ». Christiane, Christiane, évidemment, nous autres journalistes, nous avons la conviction que la présomption d'innocence, c'est vraiment essentiel. Meilleure vanne de la soirée. Christiane, tu t'en vas sans que je te le dise. Christiane, s'il vous plaît. Ah ben ça. Il reste deux candidats, le macroniste et le marine. Bien. Ça n'a aucun rapport avec une élection ayant existé ou existant. Aucun. Venez avec moi, messieurs. Tiens, passez devant. Passez devant. Vous êtes nos deux finalistes. Vous n'avez même pas eu besoin. Tiens, mettez-vous d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors là, on va oublier les couleurs. Vous savez quoi? On va oublier les couleurs. Les couleurs ne représentent plus un parti parce que je voudrais que vous votiez vraiment pour les personnes et pas pour les couleurs. Hein, vous votez pour qui vous voulez. Parce que je vous rappelle que là-haut, il y a un scénario écrit à l'avance. C'est vous qui allez, soi-disant, dans votre liberté, hein, vérifier ce scénario écrit à l'avance. Donc nous avons d'un côté Vincent, François, arrête de changer de prénom, c'est relou, et Damiano, voilà. Qui vous... Damiano, comme Scott Style, Damiano, tutto bene, tutto a posto. Forza Italia. J'ai envie de te buter. Bien, alors... Ok, très bien. Oui, je sais que vous avez battu la France et la Belgique à l'euro, tu commences à me... Je le sais très très bien, hein, très bien. La Belgique, c'était mérité, mais pas la France. Bien, alors... Plus vous faites ça, plus ça m'excite. Très bien, donc vous votez vraiment pour qui vous voulez, c'est votre choix. Je vais vous demander de voter à main levée, d'accord? Et vous, le premier rang, vous êtes les assesseurs. Vous savez ce que c'est les assesseurs? C'est ceux qui vérifient si la probité du vote, hein, ok? Très bien, donc vous allez vérifier la salle et vous allez me dire, à votre avis, qui a gagné entre les deux couleurs, entre Vincent et François et Damiano, ok? Très bien. Ceux qui veulent que Damiano soit président, levez la main, s'il vous plaît! Ok, super. Vous pouvez crier en même temps. Levez la main et criez. Ok, pas mal. Ceux qui veulent que Vincent, François soit président, levez la main et criez. C'est très clair, c'est Damiano. Bien. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Notre président de ce soir, c'est François. Un tonnerre d'applaudissements pour Damiano. Voilà, Damiano, vous voulez... Quelle sportivité. Merci, Damiano. Tu peux retourner à ta place. Merci, merci. Ça passera un jour. Reste avec nous, François. Maintenant, on va voir à quel pourcentage tu as été élu, François. Donc, on va estimer un peu le pourcentage. Vous avez un peu une idée? On va estimer déjà le chiffre des dizaines. Est-ce que c'est 60, 70, 80? 70, 80, rien à voir. 90, enfin, voilà. À votre avis, tiens, qui est le plus innocent parmi vous? L'élève, là, il n'y en a pas. Bah, tiens, mademoiselle, à votre avis, il a gagné à quel pourcentage? 50, 60, 70, juste le chiffre des dizaines. 60? 60%, ok. Est-ce qu'il y a des plus jeunes? Tiens, vous avez l'air jeune, donc encore innocente. Quel est le chiffre des unités? Vous choisissez ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu choisis, c'est ton choix, c'est ta liberté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que tu veux? 2. Je vais m'asseoir sur toi. Bien, alors... Tu vas décéder en 2 minutes. Ok, très bien. 62%. Il y a eu de l'abstention. Qui n'a pas voté? Levez la main. Ceux qui n'ont pas voté, criez. Ceux qui n'ont pas voté, levez la main. Grosse ambiance. Ok, très bien. On va définir le pourcentage d'abstentionnistes. Tiens, jeune homme, à votre avis, combien d'abstentionnistes dans la salle ce soir? 10%. Ok. tu feras pas ma comptabilité, toi. Je te le dis direct. Ok. 10% d'abstention. En tout cas... Cher François, félicitations. Un tonnerre d'applaudissements pour notre président de ce soir, François, s'il vous plaît. Merci, François. Merci, cher François. Un bonheur.
Bonne soirée. Morty, Quindy, t'as pas une chaise, un tabouret, un truc? Un truc, non, t'as pas? Quoi? Ah, merci beaucoup. Ouais, je veux bien. On a le public qu'on mérite, on a l'équipe qu'on mérite. Bien, alors, c'est... Il y a du budget, vous rire. Alors... J'y crois moyen, quand même. J'y crois. Yes. Okay. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette soirée, dans cette enveloppe, il y a un papier. Sur ce papier, il est écrit que le candidat François, qui était de la couleur bleu ciel, allait gagner. Qu'il allait gagner avec exactement 62%. Et qu'il y aurait exactement 10% d'abstention. What? Merci à tous! Bonne soirée, les amis!